activer les défenses. Scellez la station. Les bras ne bougent pas. Les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle. Faites évacuer le conseil. Baissez, citadelle. Baissez, citadelle. Vous me recevez? Présente des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Sceller la station. Empêchez les vaisseaux ennemis de franchir les bras. Verrouillez l'ascenseur. Enfilez vos scaphandres. On va se faire une virée.
par là. Thank you.
Destination bloquée.
en ligne de mire. Réparé.
dégager. Je craignais que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. À temps pourquoi ? Mais pour la confrontation finale, voyons. Vous deviez vous y attendre quand même. Vous êtes conscient d'avoir perdu, n'est-ce pas ? Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la citadelle. Les relais s'ouvriront, les moissonneurs seront de retour. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermir. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. Sovereign m'a perfectionné. Vos implants ne vous sauveront pas. Vous ne comprenez pas, Shepard. Il y a une place pour les êtres organiques dans ce nouvel ordre. Les moissonneurs ont besoin d'hommes et de femmes d'action, de gens comme nous. Sovereign reconnaît votre valeur. Vous l'avez impressionné. Soumettez-vous aux moissonneurs et vous serez épargnés. Rejoignez-nous et vous aurez votre place. Plutôt mourir que devenir comme vous. Alors, soit. Vous allez mourir, vous et tous vos compagnons. Tous vos proches, toutes vos connaissances, vous ne comprenez pas ? Vous allez tous mourir ! Rien ni personne ne peut arrêter les moissonneurs. Ni les protéins, ni vous. Le cycle est éternel. Sovereign n'a pas encore gagné. Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station. Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu. On ne peut pas l'arrêter. Pas indéfiniment. Vous l'avez vu dans vos visions, vous savez ce qui est arrivé aux protéas. Les moissonneurs sont trop puissants. Il doit y avoir une partie de vous qui comprend que c'est une erreur. Résistez ! Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants ! Sovereign est trop fort ! Je suis désolé. C'est trop tard pour moi. Il y a encore un moyen d'arrêter ça si vous en avez le courage. Adieu, Shepard. Merci. Le fichier de données de Vigile a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign avant qu'il reprenne le contrôle de la station. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le Conseil est à bord. Je répète, le Conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andoura, avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'ascension, déverrouiller les relais autour de la citadelle, et on arrive à la rescousse. Ne me dites pas que vous allez sacrifier des vies humaines pour sauver le Conseil. Eux qui n'ont jamais levé le petit doigt pour votre espèce. Cela dépasse l'humanité. Sovereign constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie. Et c'est pour ça
qu'il ne faut pas gâcher les renforts en essayant de sauver le Conseil. Gardez-les en retrait jusqu'à ce que la citadelle déploie ses bras. Et c'est là que la flotte humaine pourra attaquer Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'ascension maintenant ou on attend? Attendez, Joker. On ne va pas sacrifier des vies humaines pour le Conseil. Retenez vos appareils jusqu'à ce qu'on puisse lancer l'assaut sur Sovereign. Un sacrifice pour le bien de tous. Je prie pour qu'il ne soit pas inutile. À tous les vaisseaux de l'Alliance, restez en formation. Attendez le bon moment pour lancer l'assaut sur Sovereign. C'est votre seul objectif. Je répète, c'est votre seul objectif. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance! Ouvrez un canal de transmission ici à Ascension! Nous subissons de lourds dégâts. Le système de défense gardien... Passé. Nos barrières cinétiques sont HS! Ils ont fermé le canal. Vérifiez qu'il est mort. Let's go.
notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte. Anderson, par ici, les voilà. Du calme, tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? Thank you.
On a reçu votre message, ambassadeur. De quoi s'agit-il ? Inutile de vous énerver, capitaine. J'aimerais sortir indemne de cette réunion, tant qu'à faire. Vous devriez me remercier. Si le Normandie était toujours retenu au sol, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Je comprends, capitaine. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais ce n'est pas la raison de votre présence. Nous avons à parler du Conseil. Le commandant Shepard a fait le bon choix. Il fallait garder la flotte en retrait pour se concentrer sur Sauvraigne. C'était la seule option envisageable. Je suis d'accord, mais là n'est pas la question. La situation actuelle nous offre une opportunité. Le Conseil n'existe plus et la galaxie a besoin d'une autorité supérieure. Les autres races ne peuvent pas lancer la reconstruction sans nous. Nous devons prendre l'initiative de former un nouveau Conseil. Un Conseil dirigé par un président humain. Ce n'est pas une manœuvre pour que l'Alliance prenne le pouvoir. Nous risquons de graves problèmes en imposant notre autorité aux autres races. Les autres espèces ont peur. Elles n'ont jamais été confrontées à une telle menace et ignorent quoi faire. Elles veulent que nous prenions les commandes. Elles croient en l'humanité grâce à vous, Shepard. Vous avez sauvé la galaxie de Sauvraigne. Vous êtes devenu le symbole des qualités humaines, le courage, la force. L'ambassadeur a raison. Les autres races nous admirent. Elles ne vont pas simplement accepter notre autorité. Elles vont l'accueillir avec gratitude. Au vu de ce que vous avez accompli, commandant, l'Alliance sollicitera votre conseil pour désigner un nouveau président. Nous devons nous préparer à la guerre. Il nous faut quelqu'un doté d'une solide expérience militaire. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. C'est un argument qui se tient. Capitaine, vous sentez-vous capable d'assumer ces responsabilités ? Je ne sais pas si quiconque parmi nous en est capable, mais je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Les moissonneurs sont toujours là, ils arrivent, et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. La guerre contre les moissonneurs est inévitable. Si nous échouons, toute forme de vie sera anéantie. Nous devons mener la galaxie dans ce combat pour notre survie. Avec le soutien des autres races, nous remporterons cette bataille. Ensemble, nous nous opposerons au retour des moissonneurs et nous les renverrons au néant.